rassemblés pour sauver la caille. Parasol. Content, je ne vous dis pour rencontrer la presse dans l'occasion fête maman. Parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille parasol. Jean nous habitué faire pendant dernière année, nous avons continué pour nous retirer chapeau nous devant toute maman, que ce soit maman qui est en prison ou encore qui est en détention préventive qui n'est pas jugée. Que ce soit maman qui a abandonné sous cabane l'hôpital, dans l'asile communal, dans le signo, un peu partout. Que ce soit maman qui est sanatorium, maman qui est victime, qui a déjà. Maman qui fait tête comme machin de charbon pour faire petit belle, alors que complexe, d'infériorité fait petit trahir maman. Quel que soit maman dans la section communale, et bien parti politique par ensemble. Si machin, nous renouvelons les promesses nous. Pour continuer à accompagner. Parti politique parasol regrette de une série de monde qui était déjà gaspillé ministère femme, qui a continué à gaspiller l'argent l'État fait des autres dans la boîte l'État. Et à un certain moment, tu es doué, bataille pour changer mauvaise condition femme. Et je vous dis, c'est sans pideur. Il y a volé le discours parasol sous prétexte qu'il y a défendu Madame Sarah, mais il n'y a pas même capable de crédit. N'a dit quel que soit le monde, si vous voulez faire partie politique, il faut passer dans l'école politique. Et vous ne pouvez pas faire partie politique pour pasticher, voler l'idée du monde, mais vous ne pouvez pas faire le monde dans le crédit. Parti politique, patriote rassemblé pour sauver la caille. Dans l'occasion, faites maman. A retiré un chapeau spécial pour une catégorie de femmes dans la société. Femmes, ça n'a pas tout le monde. Vous êtes prostituées. Vous êtes jamais dodo. Vous êtes femmes la rue. Et vous êtes comme femme qui a fait au droit. Femme ça y est en retour. Vous êtes victime qui a déjà. Et parfois garçon qui a le couché. Sans coucher qui a le couché, vous n'avez pas payé. Vous êtes blessé. Vous êtes battu. 3-4 garçons qui ont passé sur vous. Alors que, mesdames ça y est, qui ça y est fait autour, peut-être, ce sont des femmes que nous considérons comme des héros qui choisissent vendre corps. Ça ne le fait bouser ou bien prostituer jeune de carré là, des travailleurs sexuels. Yo choisi vendre corps pour payer l'école petite. Yo choisi vendre corps pour mesdames ça yo payer caille pour famille. Alors que ministère des affaires sociales, ministère conditions féminines et pour la police ou parce que policier pour faire déjà sur yo coucher yo baby yo, pas de attention dans l'état pour catégorie de femmes ça yo. Yo souffre dans l'homme yo. Yo souffri dans entrailles, yo souffri dans corps, cicatrices en pile. C'est pour occasion ça qui fait. Parti politique parasol. Non seulement nous retirons chapeau devant toutes mesdames, toutes petites machines, mais femmes ça yo, cap victime sous trottoir yo. Parti politique parasol mandé pour que yo redéfini rôle ministère affaires sociales, rôle ministère conditions femmes. Enfin, avec toute femme qui a souffert, qui a victime, qui a déjà, mais en particulier, mesdames, ça, que nous baillons tout le monde, jamais d'autres gens que nous réunions. Parti politique parasol a demandé pour l'État venir avec une autre politique pour que nos jeunes femmes, nos mamans, pas obligées à faire bagaille ça à cause pour qu'elles puissent les manger. C'est un sujet tabou. Quand on a un paquet de jeunes femmes, on pas qu'être jeune maman qui quitte le pays, qu'elle vend quoi, qu'elle voisin, pour voir l'école, pour payer visite, pour payer l'école, pour visite, pour faire payer caille et la trier. Nous même dans le parti politique parasol, mais que au niveau de programme, nous prenons le travail pour bagaille ça suspendre. Mais nous demandé aussi, société, c'est pas seulement chaque sujet sociétal, c'est jouer. Vle pas vle fol aller, vle pas vle fol rete. Nous avons un pays qui a crasé dans nous. Le nous qui jouons ce pays, c'est ça qui livre pour faire. Et nous même les décideurs politiques, nous pas dit rien. Et que finalement, Haïti l'a disparaître dans tout le compartiment. Et c'est la raison ça qui fait aujourd'hui. Nous descendons nécessité pour que nous rencontrions la presse dans l'occasion, faites maman, pour nous renouveler, madame Sarayo, bataille la continuer. Si ma chaîne, bataille la continuer et nous pas oublier tout encore, insistance nous venons aujourd'hui.
comme monde qui fait politique, comme monde qui a engagé sociétal, engagement sociétal, comme parti politique, parasol qui c'est la voix des sans voix, pour nous dire halte là, quel que soit le policier, quel que soit le monde qui a moyen, qui a poussé mesdames dans la rue, parfois ça fait nous mal les témoignages, il y a des gens qui mettent dans une grosse machine, ils finissent de coucher, ils font roger avec eux, ils battent leur papier. Vous savez, il y a un qui a le courage, qui a coupé Benin dans Pétionville. Donc nous ne pouvons pas encourager la violence, mais c'est un problème sociétal. Et nous-mêmes, en tant que parti politique au niveau de Parasol, qui avons mené bataille pays, la voix des sans voix, pas de sujet qui est tabou pour nous, pas de sujet nous pas parler, parce que nous avons parlé de affaires pays, de la jeunesse pays, qui contrainte, colle, pour le vendre colle, pour le prostituer colle, pour le capable de venir travailler, ou soit pour le capable de manger. Merci. La question de Nous ne pouvons pas recevoir invitation. Et dans toute l'histoire, pendant 30 dernières années, chaque fois qu'il y a un parti, chaque fois qu'il parle d'élection, l'élection plus gros partenaire au conseil électoral, c'est dans les partis politiques. Je ne sais pas si j'en connais un jour, le conseil dit qu'il a, que nous recevons invitation que le conseil électoral qu'il a, qui invite nous-mêmes comme acteurs politiques. En ce qui a trait au référendum pour dire là, nous-mêmes, nous véritables toi-boyu entre les acteurs de qui dit dans l'opposition et aussi l'autre acteur qui est même qui dans le pouvoir. Ça va le passer depuis 2 ans, que ce soit dans à contre du maire Mariotte, tout côté de ce opposition, ils ont même toujours dit qu'ils voulaient l'autre constitution, ils ont toujours dit à le président Jovenel aller pour faire un référendum avec une nouvelle constitution. Et je ne dis pas le président Jovenel lui-même venu avec projet référendum. Et même monsieur opposition, si vous comprenez bien, yo pas dit yo pas dans référendum, yo dit yo pas dans référendum Jovenel Moïse. Donc entre deux camps, nous même qu'a prêcher l'unité, tout le monde admet que constitution ça a un problème. Et bien si c'est intérêt Haïti qui priorise président Jovenel Moïse pour ce mandat là, si c'est intérêt pays qui priorise opposition, et bien que monsieur, tous les équipes qui ont mis au chita sur les sujets qui fâchent. L'hypocrisie, j'aime trop tard. Président Jovenel Moïse dit, l'a cherché à quoi. Et bien si petit là pour nous sauver le Haïti, que si il y a un article dans Saoudia qui n'est pas normal, nous ne pouvons pas recevoir, nous n'avons pas de chance, nous n'avons pas de chance l'île, mais nous avons des jeunes 4 parties qui travaillent très prochainement qui produit une réflexion. Mais tout ça nous a dit dans l'intervalle, sous causé référendum, non. Que ce soit parti politique de l'opposition, que ce soit pouvoir, que nous ayons un terrain d'entente pour libérer le pays, parce que la constitution 29-87 là, effectivement, il méritait bon passé, mais ou bien changer parce que le pays est ingouvernable et c'est source de stabilité politique là. Mao Zedong fait 40 ans pour mettre la Chine côté là. Et nous faisons 40 ans à régresser pour nous côté là. Nous faisons 86, nous pas seulement pays qui fait 86. Collation avec nos Philippines, nous prenons le développement. Nous avons deux références pays en Afrique que nous avons, Somalie, Éthiopie, comme pays qui est plus pauvre dans le continent africain. Et ça nous dégage comme histoire. Actuellement, en Éthiopie, il y a conçu le barrage de la Renaissance, qui est le plus gros projet du barrage d'irrigation qui a fait le bois. Donc qui traversait presque tout le continent africain, y compris l'Égypte, après les Boulons. Mais nous-mêmes qui ça nous produit pendant 30-40 dernières années, nous produisons une société droit sans devoir. Une société, nous voulons toute bagaille, nous ne pouvons construire rien. Nous disons notre bataille, nous remet Haïti. Depuis 1986, nous courons derrière toute l'usine. Si nous regardons aujourd'hui, non, bataille politique pour rien, nous fermons presque tout hôtel en Dambéia. Tout ce monde est en chômage. Nous craser tout restaurant. Yo. Chaque côté au passé, son crise le soir, pendant que nous parlons de nos catégories de femmes, c'est jeunes si monde qui sont à l'université, c'est jeunes si monde qui n'ont pas d'option, qui sont obligés de camper dans la tête de carrefour ou bien devant un guichet dans la rue, qu'après les un garçon, pour le vendre une bouteille de bière, on précise qu'on avait 5 gouttes sous lit dans les dignités. Et c'est ça
l'un crase pays, nous crase production nationale. Et pendant ce temps, nous pas faire des investissements en Haïti. Madame pas vivre dans le pays, petite nous pas vivre dans le pays. Le manifestation, nous pas mettre madame nous petite nous devant nous dans cette manifestation. Et voilà, un leader responsable après votre cause qui noble de vous dire en avant manifestation pour madame nous petite ou bien marou bon côté. Donc nous-mêmes, hypocrisie ça, par la donne, nous pouvons dire encore que il n'y a jamais trop tard, comme président Jovenel Moïse, la travail pour nous encore, que nous-mêmes, nous là, nous ne parlons extrême à personne. Et chaque fois, nous toujours dit, Parasol fait allégeance. Allégeance uniquement et uniquement avec cause. Peuple haïtien, c'est ça qui fait là, parce que les politiques sont sacerdoces. Et c'est pas pour rien que ouais, Parasol, c'est parti politique, la voix des sans-voix. Voix Madame Saray, voix monde handicapé, voix Bayakou, voix Boétier, voix chauffeur taxi moteur. Nous sommes la voix des sans-voix et nous continuons à mener une bataille là pour l'intégration réelle diaspora. Et très prochainement, nous allons une conférence de presse d'ici semaine prochaine pour nous partager avec tout membre de la presse nationale et internationale programme Parti politique Parasol là. Résumé en 13 commandements. Mi-juin, tu as donné une délégation à la DNC, vous mettez le Mouchita. Comment vous-même, vous êtes délégation ça, mission ça qui rentre dans le pays, c'est regrettable des dirigeants politiques qui combattent ingérence étrangère, des dirigeants politiques qui ont fait manifestation devant l'ambassade, soi-disant contre l'occupation. Et ces dirigeants politiques qui a parlé de conférence nationale souveraine, alors que ces mêmes dirigeants dans l'autre bord qui mettaient à genoux pour les mêmes blancs. Est-ce que ça veut dire qu'en Haïti, pas gagné, monde, on ne peut pas comprendre ça. Nous songeons à quoi gouverneur Zahiren avec OEA, ça, après le coup d'État président ici, on ne peut pas. Et ces mêmes OEA, ça, c'est eux-mêmes qui mettaient dans ça là. Et qui est le plus gros bénéficiaire? Le plus gros bénéficiaire, ce n'est pas un jeune garçon qui est dans la rue, ce n'est pas un jeune garçon qui est dans l'université. Le plus gros bénéficiaire, ce sont des contrebandiers. Autant que nous ne pas retirer politique là, dans l'ensemble, pour nous faire politique, Jean politique défini, c'est pour ça que nous y sommes. Nous disons à OEA, bienvenue. Si c'est ça, bien content que l'opposition amende OEA venir, pour pouvoir amender OEA venir, le peuple là, il attend. Après, on encore. Merci.